Septem s'appelle ainsi parce que situé à 7 fois 1400 mètres, longueur du mille romain, du vieux port de Marseille. Son premier noyau villageois est Notre-Dame-Limite, qui s'appela longtemps Notre-Dame de la Douane. De la Douane parce que c'est là que finit Marseille et que commence la Provence, la paroisse des Pennes jusqu'à la Révolution française et la commune de Septem depuis février 1790. Puis, l'arrondissement d'Aix-en-Provence, depuis la création des départements par Napoléon Bonaparte. Notre-Dame-Limite est un quartier à part entière, grâce à son tissu commercial, à l'école Jules Ferry et à la place Gabriel Péri. Un kilomètre et demi plus au nord, le long du fleuve côtier La Caravelle, c'est autour d'une auberge et d'un relais de chevaux que s'est construit le noyau villageois de Septem-Centre. En 1860, l'église Sainte-Anne est construite, venant compléter l'école et la mairie qui existaient déjà. Malgré ses services administratifs, sa place ombragée, son jeu de boules maintenu et ses commerces, Septem-Centre a besoin aujourd'hui de trouver une autre dimension. C'est à partir du début du 19e siècle que Septem-Centre se développe vraiment autour de l'industrie chimique. Industrie chimique qui jusqu'en 1975 assurera le plein emploi à Septem. La vieille église a été construite 30 ans avant l'église Sainte-Anne. Et depuis 1984, elle est le centre culturel Louis Aragon, qui fait partie des 25 équipements structurants qui ont été ouverts ou construits ce dernier demi-siècle. Encore plus au nord, le troisième noyau villageois ancien est celui des Cailloles, et aussi des Vieux Cailloles, quartier dont la forme urbaine remarquable a pu être préservée. Au débouché des vallons de Fabregoule et de Fréguières, l'espace entre Septem-Centre et le nord de la commune a vu un développement important se produire dans les années 60 et après, et encore récemment avec le nouveau quartier des Deux Moulins à proximité de la gare. En piémont du massif de l'Étoile, le cœur des Cailloles, c'est le stade Pierre Bécchini, pelousé depuis 2008 et qui depuis 1946 fait battre le cœur des sports olympiques de Septem, qui fêtent leurs 70 ans en juin prochain. Depuis les Cailloles, on comprend mieux le développement urbain du nord de Septem, avec les collines, avec le Pré de l'Aube, l'école François Césari, le collège Marc Ferrandi et bien d'autres lotissements. Du haut des collines, on voit les hauts de Septem à distance et on comprend mieux pourquoi la gare de Septem a vocation à devenir structurante. C'est le sens de la construction de la médiathèque sur la friche de l'usine de térébenthine Lambert et Rivière après la construction des Deux Moulins dans la carrière de Provence-Enrobée. Deux beaux exemples de valorisation du passé industriel. La route d'Apt de Tubiers à la place de la mairie, a connu un important développement dans les années 80-90. Le Grand Pavois, dont le stade a été pelousé en 2014, la trame verte, le lotissement déjeuner, le grand équipement avec notamment le dojo et la MJC, la zone d'activité du Pré de l'Aube à la place de l'ancienne usine du béton vibré, qui est un autre exemple de valorisation du patrimoine industriel. Sans oublier le rond-point du 24 avril 1915, l'école maternelle Jacques Prévert,
la restauration de l'école primaire Tranchet-Judicelli, ancien couvent, le Galoubet et bien sûr les Hauts-de-Septem. On voit en arrivant sur Septem Centre que ce quartier initial, central de Septem, a commencé à gagner en épaisseur urbaine. Sur 17 hectares et en pleine nature, cette aventure a commencé en 1966 avec un 376e pavillon livré en 1975. Les castors de Septem sont probablement la dernière grande expérience d'autoconstruction, chaque castor ayant donné 3000 heures de travail. Ce quartier a conservé ses caractéristiques humaines après plus de 40 ans d'existence. Un ouvrage collectif est en cours pour raconter cette expérience humaine d'exception. Après l'école Jean Crespi, les cours de tennis, la salle Jeannette Graziani, la deuxième crèche municipale est venue compléter les équipements publics. Le groupe scolaire Langevin-Vallon est le premier équipement public du quartier de la Basse-Bédoule, dont la résidence La Gavotte-Perret concentre 80% des habitants. Ce quartier dispose d'un centre médical et d'un centre social. En bordure de Marseille, tout comme le quartier voisin de Notre-Dame-Limite, depuis une dizaine d'années, ce quartier a vu ses équipements complétés par la Bastide Valfray, pôle petite enfance recevant la PMI, le relais assistante maternelle et l'accueil de loisirs maternels destinés aux moins de 5 ans. Depuis 1919, Septem-les-Vallons ne s'appelle pas les Vallons pour rien. Outre les Vallons déjà cités, il y a le Vallon du Maire, le Vallon de la Rougière qui naît à la hauteur de l'espace Jean Ferrat, le Vallon de la Gazelle, celui des Maillans et enfin celui des Pérards, qui avec ses 150 familles et sa maison de quartier, le foyer Aristide Suarez, est un quartier qui a la particularité de n'être en lien avec le reste de la commune que par la colline. Le témoignage du fait que les déplacements ne se sont pas toujours faits en voiture. Les Pérards, c'est aussi un haut lieu de l'apiculture, et deux associations d'apiculteurs y ont leur siège. Il faut dire que le lieu s'y prête, en pleine nature, avec énormément d'espèces mellifères, telles que les arbousiers ou les romarins. Sur toutes ces belles images que nous devons à Olivier Piéfort, nous voyons l'importance de la nature en ville. Les corridors écologiques, la trame verte, les arbres remarquables que nous protégeons. Et c'est l'occasion de rappeler que sur les 1700 hectares du territoire communal, 1100 sont en zone naturelle, protégés notamment par notre comité de feux de forêt. Près de 1000 sur les 1100 sont dans le massif de l'Étoile. Le massif de l'Étoile, véritable terrain de jeu pour de nombreux habitants de Septem et d'ailleurs.